Et salut à tous, c'est Nagdion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de Settlers 7. On va commencer directement par la deuxième mission, donc qui s'intitulera Guerrier Bienvenu. C'est parti, donc, description. Brem, petite colonie qui compte pour seule ressource des pêcheries et des gisements de pierre. Pour vaincre Ramirez, encore lui, il vous faudra donc étendre votre royaume et faire de Brem une ville trépidante et puissante. Allez, c'est parti. Realizing that his victory could not be forced, Ramirez decided to buy it. Princess, word has it that Ramirez has found a gold mine up north. If he strikes pay dirt, he could build an army and attack us. We must stop him. Are you suggesting we fight again? I believe that to be our only option. So there's no room for politics? War, my lady, is politics. You are beginning to sound like my father. Daughter of Conradin, turn back! Nothing but loss will await you here. This land is mine to settle! All right, my lady. To fight Ramirez, this time we need an army. A big army. Unfortunately, I could only contribute a little gold and coal, so you will need to start your own coin production. Look, over there is a sector with a gold and coal mine. If you conquer it, you will be able to produce your own coins. First, build up a flourishing economy. It is the key to success and absolutely necessary if you want to recruit troops. Et voilà, on recommence directement. Donc il faut tout remettre à zéro. Donc la pierre, ici on a de la pierre, donc on l'a vu. Oh là. Alors c'est quoi? De la pierre, gisement de pierre, on va faire ça tout de suite. Donc on était à abri de montagne. Souvenez-vous, on va... Bon, on va placer l'unité peut-être... Non, il veut pas. Ok. Bon, super. Pas comme ça non plus. Voilà, on va faire le tour avec. Voilà. Ok. On a des gisements de pierre un peu partout ici. Hop, voilà. Bon, c'est pas un placement optimisé. En tout cas, j'ai pas l'impression. Mais au moins, ça vaut... son pesant d'or. Hop, hop, et hop. Alors ce que je vais essayer de faire directement aussi, c'est de placer la production de planches juste à côté. Alors, je garantis rien parce que ça a l'air d'être quand même tendu. Alors, pour bien faire, il faudrait faire ça comme ça. Je peux placer directement derrière, enfin à côté de ça, un entrepôt. Comme ça, on a directement les, entre parenthèses, les ressources qu'il faut avoir. Hein. Alors, hop, hop, et hop. J'ai pas mis une cire, si, mon dieu, hop. Voilà, j'ai voulu aller trop vite, donc deux bûcherons, une scierie. Et alors la production de pierre ici, donc on va directement placer un entrepôt. Ici, voilà, comme ça la pierre arrive dans l'entrepôt,
les planches dans l'entrepôt aussi. On est bien loin du centre-ville, mais c'est pour notre bien, comme on dit. Hein. Alors, je vais même peut-être placer une deuxième fois. Non, on va peut-être pas être trop gourmand, on va attendre que tout se fasse. Donc on peut voir ici, j'ai un petit camp où est-ce qu'il y a du bois, de la viande et de la pierre. Là, on a de l'or. Ok. Bon. Où suis-je? Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est à moi. Ok. Donc là, je peux construire. Ah ouais. Ok. Oui, oui. Je sais qu'il faut de la nourriture. Alors, hop. Et on va mettre des pêcheurs, parce que c'est ce qu'ils me demandent. Toc. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, t'es content. Un pêcheur et un bûcheron. Voilà. On va pas chercher midi à 14h. Voilà. Alors, par contre, je viens de voir que au niveau de la population, il va falloir créer des maisons. Voilà. Alors, on va créer des maisons. On va peut-être... Ah, là, on a de l'or, tiens. Et là, on a du gibier. Donc, on va pouvoir chasser. Là, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de settlers disponible. Donc, on va construire ici. Hein. Il n'y a pas d'avance, j'ai envie de dire. Une... Ou, voire deux maisons, d'ailleurs. On va en poser une là. Demeure, on va en poser une ici, ça me paraît bien. Et on va en poser une troisième, allez directement, comme ça on va gagner un peu de settlers de population. Ah. Bon, ça c'était pas prévu. Ah. Ah, attendez. Il y a moyen de placer les deux, j'en suis sûr. Bim, voilà. Bon, c'est pas très conventionnel le placement, mais au moins... Ça aura son pesant d'or. Alors, il me semble qu'on peut mettre en priorité quelque chose. Je ne sais plus. Alors, on va regarder. Logistique. Donc ça, ouais, évidemment, c'est ça. Donc ça, c'est les constructions, l'art de la guerre, donc la technologie et le commerce. Alors, il y a moyen aussi, certainement, art de la guerre, c'est quoi? Ah ouais, donc c'est directement nos unités... Ok, bon, là ça se construit, là c'est déjà fait, donc on a gagné des settlers grâce à ça. Ouais, bon. Je vais peut-être pas mettre un deuxième pêcheur ici parce que j'ai vu qu'il y en avait de l'autre côté. On va peut-être éviter de trop charger le bazar. Par contre, il nous faudrait une ferme. On va commencer par là peut-être. Alors, on va essayer d'exploiter cet espace ici. Voilà. Ça me semble bien. Alors, on va faire un grenier et un moulin à vent. Par contre, maintenant, avec la demeure, on va faire une boulangerie. Voilà. Comme ça, tout est à côté. Vous l'avez vu. Hop, j'ai oublié de rejoindre. Ça, c'est à moi. On est d'accord. Et si je veux construire quelque chose, est-ce que je peux? Vous ne pouvez pas construire dans ce secteur. Secteur impossible. Ah, ok, oui. Donc, c'est un secteur neutre. Voilà, j'avais pas vu. Donc, il y a combien d'unités? 4. 4 unités. Moi, j'en possède que 3. Donc, pour le moment, il va falloir produire pour... bon, voilà. Voilà. Donc, on va pouvoir enfin... Nourrir nos soldats, voilà. Et donc, qui dit nourrir nos soldats, dit en produire plus. Alors, attendez, attention. Voilà. Je vais essayer d'en placer une ici. Il me semblait. Voilà. Bon, écoutez. Hop. Hop. Et hop. Voilà, moi, je suis... Oh. Oh. Ça, c'était pas prévu, ça. Ah ouais. C'est pas cool ça par contre. Ah ça pue. Oh.
De toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux rejoindre... À moins... Ouais. Ça fait cher payer, hein. Waouh. Bon, tant pis. Pourquoi j'ai pris cette option-là? Comme ça, que cette route ici, je vais pouvoir mettre une deuxième série. Ouais, ou pas, en fait. Si, ça va. Allez, hop. On va faire ça. Une série. Et un bûcheron. Voilà. Alors, par contre, du coup, maintenant, on aura besoin d'un entrepôt. Voilà. C'est pas top. Une boulangerie, une demeure, ok. On va même placer un deuxième entrepôt ici. Ouais, là. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Grenier. Efficacité, y a rien. Y a pas de... C'est ce qui est occupé de me dire, là? Lieu de travail non accessible. D'accord. T'es sérieux, là, mec? Bah, vas-y. Hein. Fais un effort, aussi. Alors, on va placer une troisième ferme, hein, tant pis. Hein. Voilà, on va faire ça. Hop. Et hop. Voilà. Après, quand je vous avais dit que, justement, il fallait énormément de place, on est vraiment confronté au cas maintenant. Ah, ça va. C'est pas comme si j'avais volontairement sabordé le bazar. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, voilà. Ah, vous avez vu, j'avais pas cliqué la fois passée. Donc si vous restez sur l'icône, vous avez votre économie globale. Par contre, on peut faire au cas par cas. Vous voyez? Donc, la production de pierres, de houille, de céréales, de poissons, vous voyez? Et vous avez chaque fois le nombre de bâtiments qui aident. Donc là, pour le moment, j'ai 3 bûcherons pour une série. Autant vous dire que, à mon avis, la série doit être pas mal sollicitée. Hein. Alors, pavillon, ok. Voilà, bon. J'espère au moins qu'il va avoir de la place, hein, parce que là... donc j'ai 20 pièces, ce serait peut-être bien d'aller voir au... à la taverne. Et on va recruter, donc vous voyez, il y a une deuxième unité, pardon, les mousquetaires. Donc ça c'est un tantinet plus cher, donc c'est une pièce d'or en plus. Alors hop, 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 j'avais dit combien de l'autre côté? 6 je crois. On va voir... 3 en fait, bon c'est pas grave, non, 4, ok, donc à 5 unités je peux y aller, on va dire ça comme ça. Alors là, vous voyez ici, vous entendez le tram, ça c'est une unité qui vient d'être recrutée, et encore une fois il me faut des demeures. Alors on va construire une ici peut-être. À côté... Ouais, là, voilà. Ok, je viens de comprendre... Je regardais justement pourquoi il y avait un terrain de travail non accessible. Mais regardez bien, il n'y a pas assez d'espace. Moi, je m'étais arrêté à ça. Mais non, c'est pas l'espace qui manque. Ou pas de terre fertile. Mais évidemment, je suis dans le sable. Donc, eh ben, on peut tout simplement faire écrouler toutes les fermes. Voilà, on a perdu pas mal de place. Voilà. Alors maintenant... On a la capacité de pouvoir, comment dire, attaquer le secteur à côté, adjacent. C'est parti. On va le conquérir pour pouvoir justement avoir des terres fertiles pour justement la production de pain. Bon, par contre, ce qui m'ennuie du coup, c'est que ma boulangerie, elle va être loin. Donc on va la virer.
Ouais. Et ici, on va peut-être se concentrer. Alors, sur quoi on se concentrerait? Ah, ça change tous mes plans, là, du coup. Bon. J'ai un entrepôt, ok. Est-ce que je pêche? Je sais plus, maintenant, je suis perdu. Bûcheron. Je pense que je pêchais, mais de l'autre côté, ici, je crois. Non. Attendez. On va aller voir la production de poissons. Oui. Il y en a deux même. Ah, il va falloir m'expliquer où est-ce qu'elles sont. Hein. Bûcheron, Siri. Ah. Plus bas, ok. Ici, il y en a deux, effectivement. En fait, je pensais qu'il n'y avait que deux points sur le d'approvisionnement de poissons, mais il y en avait trois. Bon, vous voyez que mon armée... Est en conquête ici de cette zone. Voilà, j'ai gagné donc. On va maintenant conquérir cette zone. Et ça tombe bien parce qu'on peut voir qu'il y a de la houille. C'est comme jacouille. Et on a ici de l'or pour notre future production de pièces d'or, de monnaie. Voilà, donc en conquête. Là, on a du poisson, donc cette zone est extra fertile. Voilà. Et je sais pas du tout comment je vais faire. On va accélérer un peu la vitesse du jeu pour le moment. Vous voyez ? Hop. Voilà, donc ce secteur sera bientôt à nous. Dans quelques pourcents, c'est fait. Ah, une vidéo. Princess, how dare she steal those mines? They belong to me. How am I now to pay my soldiers? Ah, this is an outrage, a disaster. Lord Wolverine will not be pleased with my progress. Alors, vous voyez donc l'atelier de monnayage. Ok. Bon. La noble demeure, donc c'est une demeure version 2.0 pour les riches. Et quête multiple, ok. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lancer une production de pièces, maintenant. Donc, lancer une production de pièces, il nous faut... Toujours pas ça. Ici, la noble demeure, ok. Ça tombe bien, de toute façon, on a besoin de ça. Alors, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de l'espace ici qui nous est fraîchement loué pour... Voilà. Pour faire des... Comment dire? Des fermes. Voilà. Je ne trouvais pas mes mots. Alors. On va en placer une deuxième peut-être. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il faut pas qu'elles soient trop... proche l'une de l'autre. Ouais, je pense qu'ici ça doit être correct. Hein. Voilà. Et on va relier directement la route. Merci. Alors. Tac. Tac. Pour avoir une bonne production de moulin, on va dire de farine. Alors. Il nous faut. Bien évidemment. Il nous faut. Une boulangerie qu'une simple demeure. On va placer la demeure ici. Boum. Voilà. La demeure. La boulangerie. Et on va une fois aller voir la noble demeure par contre. Hop. Voilà. On va placer peut-être ici la noble demeure. Non. On va attendre un petit peu. Et on va essayer. Je vais tenter un coup de poker, hein, les gars. C'est ça que je... J'essaie de gagner le plus de place. Tac. Et... Je vais placer un entrepôt ici.
Est-ce que je peux le faire? Ouais. Ouais, voilà. Parce que... je suis où, moi? Ça, c'était mon château au début. Il y a un entrepôt là. Il faudrait peut-être placer un entrepôt ici. Parce qu'on est... On est relativement loin de... Tout ça. Ok. Voilà. Ah, ben, écoutez, regardez, on voit ici. Donc ça, en rouge chez moi, il y a encore une zone neutre. Et il y a encore... Après, ce sera Ramirez. Ok. Alors, on va placer... des mines. Des mines. Alors, pavillon, c'est pas ça. Abri de montagne, c'est ça. Voilà. Attendez, on va le tourner pour essayer d'avoir le plus de verre possible. C'est fait. Ah, par contre, il y avait la ferme à côté. Ah, j'avais pas pensé à la ferme. Bon, alors, houille. Ok, bon. Wow. Bon. Bon, de toute façon, ça, c'est pas grave en soi. Voilà, on va faire une route comme ça, tant pis. Et alors ici, on va mettre une production de mines d'or. Voilà, c'est parti. On va placer nos mines d'or. Et il n'y a plus qu'à attendre que le reste se fasse. J'espère, du moins. Alors, 5 soldats. Est-ce qu'on peut encore... Non. Alors, voilà, on va mettre en vitesse lapin. Je sais pas si vous le voyez d'ici. Donc on a la vitesse escargot. La vitesse je sais pas. La vitesse je sais pas. Et puis le lapin. Voilà, donc. Ce qui nous fait courir tout le monde. Alors la ferme. Bon. Le grenier. Qu'est-ce qu'il met lui? Ouais, lui. Il va pas servir à grand chose malheureusement. C'est pas grave. Noble demeure. En fait la... La ferme, j'aurais dû la placer ici, peut-être. Ça aurait peut-être été plus rentable. Soit, maintenant c'est fait. On n'a plus le choix. On ne peut plus revenir en arrière. Alors, la boulangerie. Est-ce que j'ai une boulangerie? Oui, j'en ai une. Alors, on va vérifier... Non, pas la logistique. On va vérifier la production. Donc, on a quelque chose. On a 6 greniers. On a 2 moulins à vent. Et on a une boulangerie. Ça paraît peu, mais pourquoi pas, tant pis. Alors, voyons ouais, l'avancement de tout ça. Donc, lancer une production de pièces. Emparez-vous du secteur des serres. Ok. Ah ouais, on a plusieurs objectifs. Alors, bien sûr, je vais retourner à la taverne. Et on va recruter des piquiers. De toute façon, je peux en recruter que combien pour le moment? 2, je crois. Voilà. Il faudrait que la production de monnaie se fasse et se lance. Alors, top, on va tourner ça dans ce sens-là. La demeure, l'entrepôt, la boulangerie, la noble demeure. C'est parti pour la monnaie. Maybe one mint is not enough. Speed up your economy by building a second one. Alors, il nous suggère de créer un deuxième atelier de monnayage. Bon, allez, allons-y, tant pis. Ça fait quand même beaucoup, hein. Alors, l'atelier de monnayage, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de la houille, de l'or brut et un repas. Donc évidemment, si notre production de nourriture n'est pas conséquente, on aura un problème d'approvisionnement. Et alors donc tout ça produit une pièce d'or. Et forcément, pour avoir un soldat, vous l'avez vu précédemment, il faut 3 pièces d'or. Donc quand même conséquent. Alors vous avez vu ici, vous voyez, donc quand je ne sélectionne rien, j'ai les ressources
global, on va dire. Et puis quand je clique sur l'atelier monnayage, je vois les ressources dont ce bâtiment a besoin en fait pour tourner. Donc là on peut voir que j'ai 30 houilles, 5 mines d'or et 25 repas. Pour le moment on n'a pas à se plaindre, il y a assez. Alors, demeure, entrepôt, ok. Alors, pour le moment c'est bon. Vous voyez donc, j'aurais peut-être aimé, je sais pas en fait, ouais si, mettre un entrepôt ici, on n'a pas. Parce que là, imaginez le mineur d'or, il doit les porter jusqu'ici. On va mettre un entrepôt plus près pour faciliter le transit. Ouais, ou pas. En fait, je peux pas. Il n'y a pas de place. Tapam-pam-pam. Oh, si, il doit y avoir de la place, c'est pas possible. Ouais, ok. Ouais, je pourrais faire là, mais ça détruirait le champ. Ah, ici. Voilà. J'espère que j'ai pas détruit quelque chose. Non. Bon. Ouais. Au moins, ça limitera, ça divisera en deux. Enfin, par deux, le chemin qu'ils doivent parcourir. Donc, ce serait... Parce qu'imaginez ici, là où hier, elle doit les déposer jusque là-bas et revenir. C'est quand même un peu trop conséquent, mon goût. Alors, on va aller voir si on peut pas produire... Ah, what? Ah, elle est vide. Il semblerait qu'elle soit vide ici. Ouais, je confirme. Bon, on va détruire la carrière. Hop. Pourquoi? Pour libérer des settlers. Alors, taverne. On va en recruter encore. Je suis à 9. C'est bien ça. Hop, voilà. Tiens, et là, il... C'est bizarre ça. Bon, on va dire que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place, hein, parce que là ça fait mentir toutes mes prédictions depuis le début. Alors Moulin avant tout, tout ça va bien, tout tourne comme il faut. Ok, on peut voir ça, ça produit bien. Alors, au niveau de la production justement, on va une fois voir. Donc on a 70 pierres, 23 houilles. 27 planches, 77 rondins de bois. Ce serait peut-être bon d'ajouter une scierie. Parce que j'ai l'impression que c'est pas assez en fait. La carrière, on va pouvoir la virer. Bon écoutez, on va faire ça ici. La scierie. Que pavillon. Ouais, ça fait cher payer pour juste un pavillon. Hein. Hop, 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 hop. On va regarder où est-ce qu'il n'y a pas de... Où est-ce qu'il y a de la verdure? Et il semblerait que je commence à tout déboiser malheureusement. Bon, ici peut-être. Non, c'est pas abri de montagne. J'ai failli refaire la bêtise. Le pavillon. Ouais. Pas vraiment en fait. Hein. Bon, on va faire ça. On va déjà faire la scierie comme je l'avais demandé. On va faire une deuxième scierie. Et un bûcheron. Bon. Voilà. Donc, on est déjà à 10 unités. Je vous propose qu'on